Hello tout le monde, bienvenue sur TAC 609, TAC TAC, tout haïtien connecté. Nous comptons rentrer la carte aujourd'hui encore pour une autre rubrique. Mais avant tout, avant de commencer, nous avons un petit principe là déjà, c'est si vous pouvez vous abonner, commencez à faire ça et puis nous allons tourner dans un petit temps. Bon, nous retournons. Rubrique ça, c'est une nouvelle rubrique qui a toujours basé sur développement personnel, mais c'est une rubrique qui a fait ensemble avec invité cette fois. Donc, je dis avant de commencer, n'abdou pas suspendre faire prévention contre maladie coronavirus parce que dans ce moment-là, nous étions partis pour milliers de cas. Donc, continuez faire prévention, continuez mettre cachet, je n'ai pas sorti dans la rue et pas suspendre laver mes nous et nettoyer tout ça que mes nous touchés. Donc, nous allons lancer, nous avons belle invité avec nous aujourd'hui, c'est le premier invité nous. Donc moi même papa la plus, ma belle t'a pour présenter. Bonjour Jenny. Bonjour Fabiola, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir tout le monde, de bonne amende l'heure, regarde vidéo ça. C'est un plaisir pour moi là, jeudi, hein, sur plateau ça avec Fabiola. Donc non pas c'est oui Jenny Ellis, ma belle étudiée communication sociale en troisième année précisément, dans la faculté de lettres et sciences humaines, Université Notre-Dame d'Haïti. Donc encore une fois, nous souhaitons nous prêter attention à ça qui va le dire parce que c'est important pour nous toutes et nous chaque. OK, rubrique ça relé chaque monde a un bagage qui belle la caillou. Pas gain un monde qui pas gain un bagage qui ca offrir monde ça. Bon, sauf s'il pas envie, sauf s'il pas vrai ou bien sauf s'il pas chercher découvrir qui ça lui-même que lui ca offrir monde ça. Donc dans rubrique pas nous aujourd'hui, nous allons parler de gratitude. Qui ça gratitude fait la dans la vie Oui Jenny, gratitude. Comment on définit gratitude avant tout? OK. N'a utiliser l'autre terme là qui c'est reconnaissance. OK. Donc c'est surtout le que yon moun axel surtout sur ça qui est positif dans la vie. Comme si les détourner un peu de tout ça qui est soit événement fâcheux, soit la perte d'une personne ou bien yon mauvais événement qui est passé dans la vie. Les détourner le lit pour capable au moins axer sur ça qui est positif. Tout moindre détail dans la vie qui est positif, qui procure la joie et que l'accès sur ça. Donc ça pourra permettre de gagner une meilleure vie. La travaille avec plus engouement, plus gaieté et la capable vraiment arriver à l'objectif que lui a envie d'atteindre. Donc, en quelques mots, c'est pas miser sur ça qui est négatif dans la vie, ça qui passe ou bien ça que vous avez vivre, mais surtout miser sur ça qui est belle la caillou, sur ça qui est positif, sur l'air que vous avez respiré, sur le monde que vous avez rencontré, sur le sourire que vous avez eu, sur les paroles que vous avez prononcées qui font du bien. Donc, ça est capable de servir pour jouer capable plus belle et pour la vie capable plus belle tout. Bon, son belle définition de gratitude. Mais est-ce qu'on pense que c'est facile pour nous pratiquer gratitude dans la vie chaque jour avec tout ça qui a passé dans notre temps? Il n'est pas facile parce que nous plus jouons des zones négatives que des zones positives. Donc, ou même jouons des gens qui presque pas envie, comme si baille positivité parce que surtout entouré de négativité. Si moun sa tellement fait face, tellement fait comme si vive négativité, viendront que li pa ka positif vraiment. Et si vraiment li pa ka jwenn des moun qui capable partager on positif ensemble avec lui, qui capable parler de l'autre bagaille qui pa coronavirus par exemple, ou bien qui pa l'autre bagaille dans la vie, qui pa insécurité, qui pa Haïti en soi. Exactement. Donc moi c'est que ça capable vraiment ni pi bien, mais li pa facile pour pratiquer surtout dans contexte en vivre là. Ah bon. Bon, sans doute tout ce monde qui pratique gratitude dans la vie. Oui, ce monde qui très grateful, très reconnaissant envers tout ça qui vient dans la vie, tout ça qui vient. Mm-hmm. C'est bien. Si vous êtes un monde qui pratique gratitude dans la vie, alors je pense que je vais commencer ensemble avec cette question. Bon, c'est toi cette question. Bon, première question c'est à quand, depuis quelle heure ou rendre grâce pour ce gain dans la vie? Depuis quelle heure ou dit merci? Quelle dernière fois ou dit merci pour ce gain dans la vie? Pas plus tard que ce matin. Wow. Je l'ai dit. Donc oui, moi reconnaissant parce que moi un autre jour. Moi reconnaissant parce que je suis là avec toi. Donc moi reconnaissant parce que j'ai ma famille en bonne santé jusqu'à maintenant.
grâce à Dieu. Donc je suis reconnaissante envers Dieu pour ma vie, pour ma santé, pour mes amis, pour ma famille, tout ça. Et si je devrais parler de yon bagay qui rend moi plus grateful, c'est le jour où tu as accepté que je participe avec toi aujourd'hui. Donc tu avais posté ça et je me suis proposée. C'est pas un problème pour vous du tout. Bien sûr. Quelques années avant, je n'aurais pas avancé. Mais ah bon, qu'est-ce que tu veux dire par là? On a pas besoin de. Oh d'accord. Mais là maintenant c'est fait et je me sens reconnaissante parce que j'ai des possibilités pour me partager même comme si même plateau avec vous pour nous parler de la vie, de ça que nous vivons et comment nous vivons. C'est très bien, c'est très bien. Donc, dernier élan gratitude du Jenny, li matin. Donc, je pense que li ta supposé matin pour tout le monde qui levé, qui en santé, qui pas gen maladie, qui frappe pot kayo, qui pas gen la mort, qui pas gen pièce difficulté, qui frappe pot kayo. C'est le minimum. Exactement. Parce que gen moun qui pas gen chance ça, OK? Gen moun qui pas gen chance un nouveau jour. Gen moun qui pas gen chance lever avec toute capacité physique, yo. Soit qui levé handicapé ou bien qui levé avec un autre bagage dans vie, que pas espérer que t'a joine hier, tu vois? Donc si ou levé là ou en bonne santé, tu parles, tu respires ou marcher, peu importe condition que n'a vivre là pas vraiment mettre nous en position pour nous capable dire que nous comptons chaque jour, mais nous vivons. Donc tout autant nous là, nous espérer que des jours meilleurs arrivent. C'est que ça. En fait, si moi faut parallèle entre l'année dernière et cette année, OK, quel changement qui gagne en vous ou trouver qui gagne en vous. En fait, m'a dit sur dans toute sphère, dans tout point. OK. Quel changement ou qui gagne en vous. OK, donc il est vrai que pour tout le monde, 2020 n'est pas vraiment une année pour bonheur, ok? C'est pas une année vraiment côté que nous avons dit que nous arrivons à réaliser tout ça que nous avons fixé comme objectif, tout ça que nous voulons atteindre. Mais pour autant, moi-même, c'est une année qui est significative pour moi, que je ne pas oublier. Ni dans le sens comme si ça n'a vivre dans le moment, contexte, réalité, comme si le monde en général, et personnellement, etc. Disons que je suis surtout, jusqu'à l'année dernière, je suis un monde qui était surtout. By plus valeur aux événements fâcheux de ma vie. Oh. À ça qui peut-être te fait me souffrir à un certain moment. De surtout fâché contre tel monde. De surtout t'as essayé by mon responsable ce que je vivais. Mm. Mais au fond, son auto-destruction t'as fait pour tel monde. Exactement. Parce qu'en réalité, il y a trop de choses, de, comme si trop belles bagailles qui comme t'as l'opi accès sur eux que tant pour m'ta accès sur bagay qui derrière soit qui que m'te vive comme si qui te fait mal ou du moins des monde que m'ai perdu dans la vie. OK, m'vinn apprendre année ça surtout pour m'apprendre mes têtes moi apprendre accepter tête moi en tant que la personne que je suis, apprendre ouais tête moi en tant que un monde qui a droit pour vivre de bonnes choses, qui a droit pour offrir tête le maximum, je le répète, le maximum de bonheur, de plaisir, parce que nous toutes dans la vie, nous méritons ça. Peu importe ça que nous t'a fait, peu importe ça que nous t'a vive, mais l'essentiel c'est que on en a appris, OK, nous apprendre de ça et c'est pas des bagages que nous surtout de considérer comme négatifs seulement, mais nous devons voir tout bon côté des choses parce que de ce qu'on a vécu, on en apprend beaucoup. Donc ça on vraiment pas apprendre nous venir monde que nous voulions pour nous capable grandir davantage, pour nous capable connaître nous davantage avec toute force nous, avec toute faiblesse nous, avec tout entourage en soi. Donc si je devrais faire comme si on comparaison entre 2009 et 2020, j'ai beaucoup plus travaillé sur moi-même. J'ai beaucoup appris à être tolérante, OK, à être tolérante envers moi-même, pour me suspendre comme si comme on dit ça. Pour me faire être mal en soi, OK, pour me surtout plus axer sur le plus important de ma vie, qui est ma vie. Yeah, ta vie, voilà. Pas vie en autre monde. Donc en 2019 et 2020, on gagne des événements qui Marco en plus, côté changement ça au Dakar. Ok, m'a dit l'un d'autres termes. Ok, c'est pas des bagages qui vivaient entre 2019 et 2020. C'est des bagages qui étaient passés voilà. Déjà. C'est des bagages qui, comme si c'était processus toute année qui était passé. Ah, mais ça fait plus qu'on auto d'excursion majeure. Voilà, c'est ça. Il va toujours pas à surmonter tout ça, tu vois. Comme si oui, t'es pas
Ok, je suis montée de la façon pas. Je me disais que je les avais surmontées. Mais en réalité, lorsque je suis tout seule, et voilà, c'est tout ça me monte dans la tête. Donc, c'est comme si c'est... Donc là, maintenant, j'ai vraiment appris à faire le vide, ok? À faire le vide, à aller vers des personnes qui vraiment ouais dans moi ça que moi pas ouais, ok, qui vraiment ouais le beau qui est en moi. Yeah, c'est difficile parce que le plus souvent c'est monde qui en face ou qui ouais soit gagné comme qualité pendant que ou même on peut s'enfoncer tête ou dans un trou. Voilà. Et tu ne t'en rends même pas compte. Même pas. Tu ne t'en rends même pas compte. Comme si tu étais dépressif chaque jour ou pas, soigné. Oui, tu vis pour vivre. Yeah. Mais on ne vit pas vraiment parce que bon bagage va pousser. Et tu ne peux jamais suspendre ou repousser les gens. Voilà. Jamais. Ça, jamais. Jamais tu ne peux suspendre ou repousser les gens. Nous avons toujours besoin de solitude. Bien que je m'apprenne avec le temps que la solitude a aidé ma vie. Oui, ça est. Exactement. Mais solitude pas nous dans le temps, nous testons nos façons pour nous touiller tête nous-mêmes. Voilà. Là nous pourquoi nous guide. N'a pas intoxiqué tête nous à tout. Vieux pensée, tout ça qui passe nous déjà. Nous adoptons, nous nous et n'a pas reflété tout ça qui a passé à l'intérieur de nous-mêmes. Pendant ce temps, il y a tellement de meilleures choses que nous avons fait, ok, qui t'a capable vraiment procurer nous du bonheur absolu. Nous avons des potentialités, nous avons des choses qu'on aime faire, nous avons des choses qu'on peut faire. C'est à charger mon là, charger mon qui capable faire sa Fabiola faire, qui capable faire sa Lotio faire. Mais faire tant que Fabiola faire là, non, impossible. On va quoi ça. Il va pas possible. En fait, où sont jeune fille qui en fait en futur communicatrice sociale. Bon, ça va dépendre de qui branche pas spécialisé. Bien sûr, exactement. Nous devons venir là, ce n'est pas unique chapeau ou génie communicatrice. Donc, je vais vous un petit détail plus. Ok. Beaucoup communicatrice, ok? C'est, yeah, je sais, c'est un processus. Bien sûr. Année continue à venir. Mais troisième année, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais j'ai d'autres passions. Right. Peut-être que je ne vais pas focaliser sur eux, je ne vais pas persévérer là-dedans pour me venir pro. Mais okay. C'est des bagages, c'est des perspectives que j'ai. Tu vois, j'adore danser, ça tu sais. J'adore danser. C'est une très bonne danseuse. En fait. C'est comme une façon de m'exprimer. Parce que la plupart du temps, on ressent beaucoup de choses. C'est ok de se sentir mal, pour sentir rage, pour sentir souffrance, pour sentir douleur, comme si au moment côté que vous sentez que vraiment rien n'a plus de sens pour toi. Yeah. Et puis voilà, pour moi, il y a la danse. Donc, je m'exprime, je fais passer un message. Donc, si tu ne me connais pas, tu vas voir que, comme si, oui, elle a beaucoup d'expressions quand elle danse, mais sous qu'on aime, soit avec frère, on est vraiment capable de comprendre que je veux dire quelque chose. Mm-hmm. Tu comprends? Donc, j'adore danser, c'est une passion pour moi. Et qu'en est-il de la vie de Jenny qui chantait ou quoi? Je chante plus. Ah, malheureusement, oui. Non. Ça, quoi, c'est? Ça fait partie de, comme si, auto-estime était bas dans le temps. Non, c'est pas sérieux ça. Non. Auto-estime qui était bas dans le temps. C'est un événement, un bagage qui arrive. C'est que j'étais sur une scène, j'étais grippe, comme si j'étais tous, normalement. Mm-hmm. Mais, on t'a dit, voilà, je vais quand même chanter. On est arrivé sur scène là, j'ai commencé, le premier couplet. Et voilà, arrivé à un certain moment, ma voix m'a lâché. J'arrivais plus à dire un seul mot. Et depuis ce jour, j'ai arrêté là. Ou pas sérieux? Ah oui, je chante toujours dans ma chorale à l'église, mais je ne chante plus dans ma main. C'est sur scène. Oh non, c'est un événement fâcheux. Bah oui. Faut d'attendre que Jenny cap chante qui tu connais que pas chanter encore. Mes amis? Ah bon. Nous gagnons une deuxième question. Qui soit senti, qui soit gagné comme sentiment, là où est que. Ou sens-tu capable de réaliser tout rêve? Qui soit gagné comme sentiment lors entreprendre des marches pour réaliser un bagage que ou même moi envie gagner là pour bon envie faire là. Ok, avant tout, décider pour prendre un bagage que m'envie fait, décider entamer une démarche vers un objectif, vers un rêve que m'gagne, il pas que moi gagne que pour tout le monde gagne, il pas facile. Donc on travaille là-dessus, on voit les pour et les contre. Ouais, est-ce que vraiment je dois faire ça? Est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça reflète mon milliard? Okay? Donc, si vraiment je réussis à faire cette démarche et à entamer le processus, alors là,
c'est après ça prend un paquet de travail personnel. Donc je suis vraiment satisfaite et fière de moi à chaque fois que j'arrive vraiment à entamer quelque chose qui vraiment qui est vraiment important pour moi. OK? Et ça faut pour vraiment mettre sous mute tout ça, tout comme si critique, tout bagage négatif pour capable entendre de ça, tout ça que monde est capable dire, tu en es pas capable. Ou pas arriver faire ou pas ouais intel te entamer tel bagage pas arriver. OK, mais là faut vraiment que moi apprendre dit tête moi, moi c'est moi. Si moi entamer, si je l'ai pensé d'ailleurs, c'est parce que moi qu'à faire. Il suffit juste que moi choisis les bons moyens et le bon moment. Tu comprends? Donc lorsque je réussis à faire quelque chose, franchement, c'est de la fierté. C'est pas comme si je me suis dit que je pourrais remettre à moi. Mais non, mais arriver à entamer quelque chose, surtout dans la société, ça, arriver à faire un bagage, en début de tout ça, monde t'a capable de dire que ce soit ça m'a fait à Fabiola, là, il a pas entraîné des critiques. Ok? On ne vit pas sans les critiques. Mais c'est surtout des critiques qui sont capables vraiment d'aider les gens à avancer, pas pour capable de détruire. Mm-hmm. Donc vraiment, pour capable d'arriver à faire un bagage, que ce soit monde qui arrive dans la vie, ça, soit un niveau, côté que l'a influencé monde ou bien à foncer dans le bagage, il y a vraiment un dépassement de soi qui fait pour capable vraiment ficher de tout ça qu'il est capable d'entendre, pour capable faire tout ça. Donc c'est pas facile. Donc quand quelqu'un réussit à faire ça, c'est à féliciter, c'est à admirer. Donc moi, quand je réussis, je suis fière. Je suis contente, je suis reconnaissante envers moi-même d'avoir pu faire ces choses envers toutes les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont boosté, envers oui, Jenny. Ok, qui soit senti leur réussite montée ou sorti une épreuve qui était difficile, surmonter une épreuve qui était difficile. Après, au fin de cette épreuve, ça, qui j'ai senti, qui soit senti intérieurement. Gratitude, oui, mais aussi de la liberté. La liberté parce que lorsqu'on vit une chose et qu'on peut arriver sur mon tel, c'est comme si au prix, en tout cas, tu es enfermé quelque part, tu vis la chose, tu vas concentrer la plongeur de l'intérieur, tu te détruis toi-même. Okay? Donc, quand vraiment tu réussis à renverser tout ça, à mettre tout ça de ton côté pour capable faire tourner des ondes positives, une énergie positive, et puis pour surmonter le voilà, c'est comme si son boule de neige. Retourner comme ça, tu es ému, tu es quoi? C'est vrai, tu te regardes dans le miroir que tu te dis vraiment, tu as pu faire ça, tu as une règle quoi. C'est pas facile du tout. Tu comprends? Parce qu'il y a une épreuve, tout le monde vit épreuve. Tout le monde vit épreuve. Mais c'est deux choix. Soit les assumer, ok? Soit les mettre down au plus bas niveau. Soit tu arrives à te surpasser et que vous montez plus haut que ça, mon pas qu'à espérer qu'on est capable de faire. Yeah. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils sont capables de porter n'importe opinion négative de mon courrier. Ils sont capables de toujours dire que bon voilà, qui ça le pense lié pour le penser le café tel bagage. Tu n'as pas de nom, tu n'es personne. Mais non, chaque personne a commencé quelque part. Chaque monde paraît être comme ça, arrivé à atteindre un objectif. C'est un travail assidu. Et le travail assidu, ça se perd. Leur travail sur tête vraiment, ou fait tout ça qui dépend de vous. Tu apprends à t'aimer pour la personne que tu es. Tu apprends à cultiver de la patience à ton égard envers toi-même. Pour passer à tête, ou battre tout le temps. Ou pas quoi un timing ça l'autre lundi. Hein. Pour dire que voilà, ou un tel, je n'ai pas le temps, je vous fais tel bagage. Si je ne fais pas ce que je dis. Mais non, c'est moi, c'est mon entreprise. Je prends force de temps que je voulais pour m'accomplir. Okay? Le temps qu'il me faudra. Je prends temps pour me bâtir base, là, pour me faire sol taille, là, pour me poser bloc, là, jusqu'à ce que je fait et que je vraiment tourne en chef-d'œuvre. Ce que j'aurais voulu atteindre, ça que t'es vraiment boosté depuis au départ pour me capable d'entamer ça. Tu comprends? Donc, whatever ça que le monde t'a dit, ou doit être capable de foutre de tout. Il n'est pas facile. Moi qui te parle, je sais ce que je dis. C'est pas facile de mettre sur silencieux ce qu'on dit de toi, de ta personne, ou du moins de n'importe quel bagage. Ok? Parce que les jugements, ça existe. Ou pas qu'à contre nous, tout le fait qu'il y a un jugement. Ou pas qu'à contre nous, ça existe. C'est fun, je sais pas. Ça existe. Ça existe que mon nom, quand je garde comme ça, sans aucun réseau, il dit, elle, ouf, pas ça, pas qu'à sentir, pas qu'à supporter. Mais qui s'en fait ou même? Ou à quitter mon nom, qui dit, opinion, pas qu'à sentir, là, après raison sur vous, comme si, pour le fort, il vient au niveau. Ou pas même quand regarde tête dans miroir pour dire oh j'adore mes lèvres ou j'adore mes yeux, c'est comme si tout ça que tu as ou que tu as tourné batte non ça fait. OK, est-ce que oui tu es contente pour dire en fait pour chita pour dire merci maman papa ménage ça me précède merci ça c'est pas prier que la prier ça c'est pas un bagage qui vient pour
di mersi ya? Eske ou jeni kon rete kon sa pou jis di mersi pou tout sa posede? Ba, sure. Mpa obi jeni wana pri. Pa pense ke je ven de recevoir quelque chose. Pa pense ke bon bel bagay ki rive. Exactement. Oh God, merci parce que tel bagay rive. Mpa te pense sa, mais non. Mka rete kon sa, je peux être en train de cuisiner. Ou de te parler, et puis mrete ou wè mpa répondre. Juste à me dire bon Dieu merci parce que je suis là avec toi. Merci parce que l'aime t'a venir là pas gagne que t'es arrivé. Merci parce que ou vivant et que moi vivant. Merci parce que ou existé, merci parce que moi même moi existé. Merci parce que famille m'existé dans moment de ca crier, pas t'a oublié, de ca pas là avant. De ca crier, de ca souvent la famille m'a pas prié à cause on bagaille que de ca malade en soi, intérieurement ou extérieurement. Donc, il est vraiment important. Pour tout pour moi toujours planter terre et pas seulement envers Dieu pour reconnaître pour dire merci mais envers tout le monde. C'est comme un mot magique, j'ai envie de dire merci, je suis désolée, excuse-moi, je t'en prie. Exactement. Donc ce sont des mots magiques. Et le je t'aime. Ouais, je t'aime. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime. Parce que par contre qui le monde ça quitte, c'est pas le ni pas là pour capable dire que bon, on était tellement bien bagarre de dire j'ai pas pris le temps de comme si pour me dire tout ça. Faut prendre le temps pour capable de dire à quel point compter pour capable bien comme bien cran peu importe on a toujours comme si bon ego cap bagarre mais faut capable surmonter ça parce qu'on a toujours besoin des autres. Donc di moun nan jodi a kou reme ou par contre ki jan anbeli jounen et faut vraiment que ce je t'aime soit sincère. Très sincère. C'est pas des choses qu'on dit en l'air comme ça sans vraiment les sentir. Faut que vraiment moun nan senti que soit dit ça vient du cœur pour capable lui même prendre je vous dis waouh. Ça qu'arrive que nan moment moun nan té nan dépression totale côté que t'a dit que personne ne m'aime etc. Donc là maintenant tu lui dis ça fait vraiment du pour la personne. C'est vraiment important pour la personne. Exactement. Donc c'est la dernière question pour Jenny mais sincèrement, on t'a choisi parler de gratitude dans première rubrique ça dans première sortie rubrique là. Parce que dernièrement, ton petit genre fermé like on t'a un genre plaigné. OK. Et puis me levé au matin, on dit y a pas gain pièce église qui ouvre porte yo. Yeah. Mais quand même m'a fait passer devant l'église quand même. Okay. Je viens passer devant sa cœur et je repose. Je vais regarder exactement tout ça qui entoure moi, tout pied bois, moi des gens qui a demandé, moi des gens qui handicapé. Et puis, je me suis juste dit que mais c'est ça, mon rôle. Je plains tout le temps, alors que je suis sous deux pieds, moi, je fais exercice, je fais tout ça, je veux. Je suis pas dans une situation côté. M'obliger à demander au monde pour me vivre. Côté là, bah on monte 25 ou 50 gouttes pendant une journée, il va qu'à faire un peu lui parce que le grand monde bon côté là tout. Voilà. Et puis me dit non, sincèrement, c'est vraiment pas mon petit genre ingrat envers la vie, ingrat envers la nature, envers tout ça que bon Dieu fait pour moi, me dit que gratitude c'est le premier point que m'a manqué. Pour rubrique ça et c'est ça que je choisis gratitude là. C'est une chose qui est capable vraiment de faire passer. Il y a délivrance. Extraordinaire. L'aimer était une chose. Ouais, si on voit qui on genre, t'as pensé, je voulais penser négatif et une chose propose quelques secondes et puis focus on bagage. C'est une source de motivation. Exactement, qui t'a fait, plaisir et puis voilà, tout le monde a changé. Genre une chose dit à l'heure, il y a quatre phrases, il y a quatre mots que nous supposons répéter souvent. Parce que faut nous comprendre que les nous blesser un monde pour demander excuse, pour demander pardon. Faut nous comprendre que les on nous rend un service, la nature rend nous un service, bon Dieu rend nous un service, ça quand tout rend nous un service. Pour nous apprendre à dire merci. Exactement, merci. Pour marquer quelque chose dans un petit coin important. Merci pour tout ce possédé, merci pour ça, bon Dieu fait dans la boue. Faut qu'on apprenne à dire que nous aimons. Parce que l'amour, c'est force qui est plus puissante dans le monde. Parce que j'aime toujours dire l'amour, c'est magie. Magie, c'est l'amour. Parce que magie, c'est un bagage que vous n'avez pas à comprendre. Magie, c'est un bagage le li passe sous vous ou vient sans sous l'autre monde. Donc, dis au monde, nous remènes, nous par contre, qui quantité plaisir, qui quantité. Ouh, bagage que vous faites pour le monde. Complimenter aussi. Exactement. Apprendre à complimenter le monde qui est dans l'entourage. Donc, vous n'avez pas à vous.
c'est ça, moi, pour pas. Et c'est comme si aller au-delà de petites discussions, de petites mises en bouche. Ça arrive, je ne dis à moi avec un tel, bah, en mon cœur. Mais il faut me garder dans les années. Quand il était bon, il était bon. Je dois vraiment être bon, c'est pour ça. Pas seulement Maxime, sur ça qui est passé, qui est fâché, mais sur ça qui était belle, sur mon. Je n'ai toujours été dans ça. Lorsque ça va mal, on oublie les bonnes choses. On oublie tout ça qui était belle, qui était passé avec mon ça. Ok, nous juste focaliser sur ça qui fait mal là. Ça qui fait mal là. Mais ça n'a pas. Comme si ça. Relation avec mon ça, pas seulement que tu es du mal là. Tu étais heureuse à un certain moment. Bien sûr. Donc, pas de droit du tout pour oublier ça. C'est bizarre lorsque les plus faciles pour rappeler ça qui fait mal. Que ça qui fait bien. Pourtant, ce qui fait du bien, ça. Ça fait ouh! Ou ça, ça qui arrive vraiment avec Fabiola, pas parler. Ok? Mais. Et ça qui arrive, ne pas parler. Ah, c'est ça. De côté là où Jenny propose tête qui vous dit sincèrement et propose tête moins pour faire par contre soit d'accord mais ça t'a étonné mais ça t'a fait plaisir parce que oui Jenny qui chita à côté là c'est une monde en fait une connait plus content avec dans les temps qui sont passés que des bagages qui sont passés entre nous qui impardonnables mais sincèrement avec le temps voilà nous sommes là aujourd'hui sans pression, sans panique, sans nous pas focus vraiment sur ça qui t'est comme passé. Sans rancune. OK, sans rancune. Et voilà. ça fait plaisir vraiment, sincèrement. Ça libère mm-hmm. parce que nous pas ouais. Oh, on va longtemps. Donc se voir en septième dans ce contexte. Et bien sûr, on se rencontre après environ 3 ans. 3 ans. Oui, 3 ans. Et voilà. Même. Donc, les gens qui sont dans la vie, presque ouais, plus souvent, ce n'est pas les gens qui ont proposé d'être. C'est les gens que je battre depuis 3 ans. Les gens, bien sûr, qui étaient toujours, même si tout le monde a passé, qui va jamais oublier, je fais moi pour souhaiter mon bon anniversaire. Et sincèrement, je me sens reconnaissant pour ça parce que je fais moi très important pour moi. Donc, merci, oui, Jenny, de ce côté, accepter ensemble avec nous. Merci d'avoir accepté que je participe avec toi. Merci à nous toutes qui avons pris le temps ça, dans le moment ça, pour nous garder tout ça. C'est la seule façon que nous sommes capables d'encourager, garder, commenter, et partager. Partager, abonner à la chaîne là. Partager, parler de lui, faire nous connaître qu'il y a quelque chose de bon qui se passe là dans les studios de TAC 609. Et tout le monde est sur. Tout haïtien connecté, c'est ça la définition. Exactement. Donc, tout est supposé connecté. Parce que c'est important ce qui se passe ici. Ok, oui, Jenny, so. Hi! Chaque monde qui est belle, la caillou, c'est seulement. Bien sûr, chaque monde qui est belle. Chaque monde qui est belle. Parce que normalement, ça qui l'aide pour moi, ça qui l'aide la caillou pour moi, c'est l'équipe qui est belle, la caillou pour moi. Mais je ne suis pas surtout de focaliser sur ça qui est belle, la caillou. Il faut vraiment que j'apprenne à me dire, admettre que j'ai quelque chose à moi. Ah, bien sûr, parce que je ne suis pas admettre avant, moi-même, je ne suis pas admettre pour vous. Désolé. Si je ne pas admettre, ou à dire même pas pour elle, m'a dit que bon, la passe est une bêtise. Ah ouais. Donc, faut que je sois persuadée de ce que j'ai en moi, de beauté que m'y a là quand même, de bonté, ok, ça ne pas focaliser nos beauté, de bonté, de ça que m'y est qui bon. Parce que ça a tellement arrivé loin, me souviens d'une époque, ça qui arrivé me fait chanter, je reçois beaucoup de compliments et que je me dis, la passe est une bêtise. Non. Ou même capacité de bêtise, c'est pas mon capacité de bêtise. C'est pour me montrer à quel niveau ça est. Que ou pas apprécier ça pour gagner la caille. Donc tout ça, mon abdi, de où c'est foutaise, pour me dire que bon, il a passé une bêtise. Je n'ai pas vraiment pensé ça qu'il a dit. Pourtant, c'est où qui est dans l'obscurité. C'est où qui n'a pas qu'à admettre voilà, ce que tu es vraiment. Mm. C'est vrai. Sincèrement, dès qu'on arrive au moment, chaque mois, dès qu'on écrit, tout ça même pour me dire. Sincèrement, merci d'être que nous dans la film. Mais nous apprécions notre. Et bizarrement, réponse était qu'on tu vois? Like. Non, sérieusement, Fabiola, tu es Fabiola. Parce que ça Fabiola oui, vrai. J'ai dit penser vraiment. Penser genre de bail ça. Est-ce qu'elle pas... n'est pas non. Ça. Non, c'est eux qu'on a demandé. Non, ça capasse. Oh, OK. Non, ça capasse là aussi. Oh, OK. So, mais ça on bagaille. Il pas facile pour sincèrement pour un jeune monde dit. Ok, merci, je suis content que vous ayez la vie, etc. Mm-hmm. Mais moi-même, je n'ai pas envie de rater une occasion pour me dire merci de ce que vous avez la vie. Parce que vous portez un bagage pour moi quand bien même. Oui. Vous portez un bagage de plus. Un bagage de plus dans la vie qui rend la vie plus belle. Aussi minime, la vie, voilà, le problème est minime. Parce que tout ce qu'on a dans la vie, c'est précieux. Tout ça, on peut être dans la vie, on pas de gagner. Tout ça, on arrive fort de tête, on ne peut pas jamais arriver. Yeah. C'est précieux.
très précieux. C'est précieux parce que ou tu gagnes avant bagana on pas de chambre qu'à découvrir parce que toi-même pas de connait tes talents ça. Non, sincèrement, moi-même pas de connait que me tes talents ça. Non, sincèrement, je ne ensemble avec on t'es capable comme ça. Ted Metelus qui c'est un vidéographe photographe qui sincèrement elle aime qu'on a écrit qui dit non Fabiola. Il y a connait non Fabiola mais pas connait qui est-ce qui Fabiola. Ou qu'a fait plus que ça. OK, n'a juste focus m'a montré peuple là qui est-ce qui Fabiola qui est-ce qui des lignes ça au capitaine. Parce que sinon t'as pris des dans l'ombre de quelqu'un. Sincèrement. Uh-huh. Et puis voilà, on a essayé puis oh, bon même sous combien. On a qui t'a là oser c'est oser savoir oser. Sourete ou a dit que bon, tant que si là on te propose ça te dire moi-même, mon yo pas regarder mais elle dit pas bien ceci ou elle critique chaque samedi ou pas t'as café ou pas t'as sincèrement. Ou pas t'as jamais arrivé là. C'est parce que tu as ou tu es arrivé à développer certaines capacités pour aller au-delà de tout ça. De tout, je suis sûre que tout tu vois ça au dans ta tête. Tu fais là, oh, c'est quoi ça? Oh, qu'on a tremblé, je stresse. Ah ben oui, c'est normal. C'est pas grand monde, mais mon grand. C'est ça, moi, j'ai fait la première vidéo, je me dis, mais c'est ça, qui ça, mon yopal, c'est qui ça, opral? Moi, tu t'es parfaite. Et puis, bon, compliment, t'es plus que critique, yo. Et critique, yo, t'es aidé. Donc, c'est voilà. Bon. Il y a des gens qui acceptent les critiques, tu sais. Il y a des gens qui font des choses, ils pensent que tout ça, t'as bien reçu. C'est des félicitations. De exactement, pas grave. Mais non, il y a un autre qui a plus d'expérience dans ça qu'on va faire. Qui peut-être est capable de faire des choses que tu as supposé faire, ou que tu as supposé dire, ou des choses que tu dis de tout. Donc, c'est important, ça va aider à améliorer ta vie. Donc, si tu as peur, tu ne peux pas aimer les critiques, tu peux la décourager, mon père, c'est ça. Mais non, faut pas rebarailler comme ça. On se forme avec ça qu'on voulait et avec ça qu'on apprend de l'extérieur. Tout. Exactement. Yeah. So, avec vidéo ça, je dis, moi-même avec Jenny, invité nous pratiquer gratitude, gakay nous pas jam remercier bon Dieu pour ça, le fait pour nous. Nous, yon là, pas sous cabane dans l'hôpital, nous, parce que gen moun la qui. Gen coronavirus qui pas connait si a vivre si ou pas vivre gen adam qui gen mouri qui pas même penser que yo pas ta pouwe jodi a même Jean Noël là so pratiquer gratitude dans la vie Noël non li important et puis avant nous aller pas oublier nous se dit déjà pas oublier abonner parce que c'est ça qui aider nous continuer c'est seule façon capable supporter ouais pas oublier commenter like et puis partager chaque grande vidéo. Fais un autre monde qui bon côté comprendre qui sa gratitude qu'a fait dans la vie. Alors nous bon rendez-vous mardi prochain pour un autre week. Merci. Bye bye. C'était un plaisir.